Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Avant de développer ces titres, je vous propose de partir tout de suite en Algérie où un double attentat suicide a été perpétré ce soir contre une école militaire. Kamel Zaït, bonsoir. Vous êtes à Alger, on parle de 36 morts. Avez-vous plus d'informations? Bonsoir. Bon, les premières informations qu'on avait eues, c'est il parlait de 8 morts. C'est-à-dire le nombre, bien sûr, risque de s'aggraver. Pourquoi? Parce que le double attentat a été perpétré contre le mess des officiers, juste après le Aden de Maghreb, c'est-à-dire le coupé de jeûne qui a été effectué par des officiers. Donc on peut imaginer que le nombre peut être plus grand que 36, mais on espère que, c'est-à-dire ce nombre de 36, on parle de victimes, c'est-à-dire qui est entre morts et blessés. Parce que, et aussi, ce coup-là est vraiment très, très, très grave, parce que depuis le... Petit souci technique apparemment avec Kamel Zaït, notre correspondant à Alger, nous tente.